Le HIIT nous permet une variété infinie de possibilités d'entraînement. Mais pour en profiter, il s'agit d'avoir en tête l'ensemble des variables que l'on peut moduler. C'est ce que je vous propose dans cet épisode de la semaine du HIIT. Bienvenue dans Prépa et Performance. Il existe de multiples facteurs à considérer pour concevoir une séance de HIIT. Les prendre en compte, c'est se permettre de varier son contenu et de prioriser les axes de progression. À travers cet épisode, je vous propose donc de lister les 12 variables que Buchette et Larson identifient pour concevoir des séances de HIIT. Les premiers facteurs vont certainement vous paraître totalement évidents si vous êtes déjà familiarisé avec l'entraînement intermittent. On pense naturellement à l'intensité et la durée des fractions d'effort. Si l'on prend l'exemple de la course, qu'il s'agisse d'un sport d'endurance comme la course à pied ou du travail de course pour un sport collectif, l'intensité correspondra généralement à la vitesse de course et la durée au temps de maintien de cette allure. Ensuite, nous aurons la même logique concernant la récupération, à savoir l'intensité de celle-ci, qui peut être nulle en cas de récupération passive ou tout de même d'une certaine allure en cas de récupération active, et donc à nouveau plus ou moins longue. Viendront ensuite, lorsque l'on pensera de façon plus large, à la durée d'une série, ainsi qu'au nombre de séries réalisées. Ces facteurs impacteront forcément le volume total de travail. Également, nous retrouverons la récupération entre les séries, qui est un facteur intéressant à faire varier lorsque l'on veut fatiguer plus ou moins son participant. Dans cette même idée, nous pouvons jouer sur l'intensité de la récupération entre les séries. Il n'est pas rare que celle-ci n'ait pas la même nature que la récupération au sein de la série. L'ensemble de ces 8 premiers facteurs impacteront notre volume total, qui peut être analysé comme une variable à part entière. Ensuite, nous entrerons dans des facteurs parfois moins pris en compte et qui pourtant impacteront totalement le travail de notre séance. Dans un premier temps, la modalité de réalisation ainsi que la surface sur laquelle on propose l'exercice. Car si j'ai pris pour exemple la course, si l'on y ajoute des changements de direction par exemple, la nature de notre effort va totalement changer. Ce sera d'ailleurs un facteur très intéressant dans le cas des sports collectifs. Mais de la même façon, nager, courir ou rouler pour un triathlète ne sera pas du tout la même modalité d'effort. Ou encore courir en côte ou en descente. D'autre part, la surface en elle-même va changer le besoin d'application de la force au sol, et donc, par la même occasion, le coût énergétique de l'effort. 11e point, dans cette même idée, il s'agira de l'environnement et des conditions. Sommes-nous face à de grosses chaleurs? Sujet que nous avions déjà traité il y a plusieurs mois, je vous remets le lien de la vidéo pour celles et ceux qui l'auraient manqué. Ou alors en altitude, avec un important taux d'humidité? Beaucoup de stages de pré-saison jouent sur ces variables pour générer des adaptations physiologiques intéressantes. Et enfin, notre 12e et dernier point sera le statut nutritionnel de notre ou nos sportifs. Nous avions mis en avant dans une vidéo dédiée les stratégies Sleep-Low pour impacter une programmation d'entraînement. Mais il existe bien d'autres méthodes qui ont pour but de faciliter ou de complexifier une séance d'entraînement. En fonction des besoins que l'on vise, ça peut tout à fait être un facteur à faire varier. On essaiera alors de ne pas jouer sur plusieurs facteurs à la fois, car leur impact serait plus difficile à cerner. On comprend bien ici qu'il s'agit de variables interdépendantes. Isoler un facteur nous permettra de mieux comprendre son impact sur la charge d'entraînement, et ainsi être plus précis sur la programmation du contenu de nos sportifs et sa quantification. En conclusion, on peut dire qu'il existe beaucoup de facteurs sur lesquels jouer pour modifier notre contenu de séance et donc notre programmation. Les connaître permettra de jouer sur des facteurs parfois mis de côté ou négligés. Et pourtant, chacun d'eux aura un impact important sur la charge interne de notre sportif. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les 12 variables du HIIT pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour aider Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !